Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Crusader Kings 2. Toujours avec l'empereur Lancelin le Victorieux, de ce qui a déjà 58 ans hein, quand même. Alors donc, quoi de neuf? Pas grand chose. Je sais plus trop où j'en suis en fait entre les deux épisodes. Je les enchaîne mais bon, pourtant il n'y a rien de particulier. Ouais, donc j'améliore les relations avec lui, ok. Il a une blessure, très bien. Donc j'ai levé les armées, le roi de Léon vient aider. Alors il doit être excommunié aussi lui, non? Non, mais c'est marrant, il est venu aider le roi d'Écosse. Alors pas de soucis, on va lui tomber dessus hein. Toutes les armées hispaniques vont aller là, plus celles du sud de la France, histoire de bien les écraser rapidement. Tout ça est en train de se préparer, les troupes là aussi. Là c'est pareil, il a accepté mon invitation. On peut poignarder notre fils. Ah ok, il faut avoir une intrigue élevée. Il a 15 et moi j'ai 33. C'est pas énorme, on va essayer. C'est affreux hein. Oups. Donc, on l'a raté. J'ai hérité du royaume de Valence. Ah mais il l'a carrément raté quoi. Oh mais c'est un gros nul quoi. Ouais, ça me fait pas trop plaisir de faire ça, mais j'ai pas le choix dans le sens où si on veut accélérer vraiment pour qu'elle d'ici la fin de la partie bon bah il sera pas arrivé à assassiner son fils. Je pense que les vassaux ont pas trop le kiffé du coup hein. Bah si, je conseille ouais, ça encore on s'en fout. Sans couronne. On va essayer un petit peu de mettre des gens qui nous en veulent. Alors par contre, le roi d'Andalousie. Navarre, 11 000 hommes. L'Andalousie, il a combien d'hommes lui? Ouais, il en a 19 000, ok. Donc on va le prendre. Voilà, déjà il va être content. On va lui envoyer un peu d'or, il va être encore plus content. Bon, faut que je fasse gaffe avec l'or quand même, parce qu'on en a plus tant que ça. Bon, le maréchal, ouais, il était vraiment bien lui. Hein. Et bon, qui c'est qu'on a? Non, ça va, lui, on a pas trop de soucis. L'intendant. Bon, bah lui, ça va. Lui, il est meilleur, hein, mais bon, je voudrais pas l'énerver, lui. Le maître espion. On pourrait prendre le vice-roi d'Angleterre. Il est un peu moins bon. Mais au moins, voilà, ça, il va apprécier. Et le chapelet, on le laisse. Parfait. Donc lui non, bon, on va arrêter la tentative d'assassinat, elle ne sert plus à rien. Je vais plutôt essayer de révoquer le vexin. Tuner la reine ne donne pas grand chose, on sait qu'elle cache quelque chose, pardon. Ouais, donc le vexin c'était ouf, c'est là, hein. Je me trompe pas, ouais. Donc on va envoyer lui pour augmenter le complot. Tac, tac. Et ensuite... Ouais, on avait dit que lui, on essayait de... Alors non, c'est pas lui, c'est lui, voilà. Tac. Ok, c'est reparti. Tout ce petit monde va aller là. Eux ils vont aller là. Eux ils vont aller là. Eux ils vont aller là. Et vite. Et eux aussi. En fait j'aurais presque plus vite fait de faire ça. Pour être sûr de les bloquer. L'Écosse envoie des troupes. On va y aller pour les bloquer. Notre petite fille conflue. Je m'en fiche un peu là. Clairement, c'est pas important. Voilà, donc là, on va quand même écraser une partie de l'armée. Et ensuite, on va faire les sièges de partout. Et puis voilà, comme ça, on va être tranquille. Alors. Bougeons pas. Eux, ils vont aller là. Eux ils vont rester là, eux ils vont aller là. Eux ils vont aller là.
Ouais, bah toi tu vas aller là et c'est bon. Alors, ma femme s'est précipitée dans mon bureau ce soir, me réprimandant pour ne pas avoir légitimé mon autorité sur Normandie par une cérémonie adéquate. Alors, on peut lui expliquer la situation, mais c'est ce qu'on va faire, puisqu'il y a une situation, ça va venir. Mais il faut d'abord que je dépose le roi d'Écosse. Ça, j'y peux rien. Bon, là, on va pas rentrer. Ah non, mais non, non. Les bateaux, on va perdre quelques bateaux, mais je m'en fous. Bon, on a 55 000 hommes ici, donc on va aller leur couper la route. Ça va leur faire tout drôle, hein. On sait qu'elle cache quelque chose, donc on continue. Hérité du royaume de Lotharingie. Durant la bataille de Luxembourg, l'ennemi a acculé le roi. D'accord. Bon bah, il est mort. Hein. Alors, par contre, là, on gagne la bataille normalement. Ok. Puis là, c'est bon, c'est verrouillé. Bouge pas, j'arrive. Même pas eu le temps de. Le manque de piété de personne ne m'inquiète. On va le faire, on s'en tape. Bon là, je pense qu'on va les stack wipe quand même. Hein. Voilà. Donc, ici c'est bon. On va plutôt aller là du coup. Alors, donc là c'est géré, là on s'en fout. Comment ça se passe ici? Donc, on va aller tomber sur eux là. Eux ils vont aller là. Eux ils vont aller là. Alors on va remonter tout le monde. On va scinder en deux. Je vais re-scinder en deux. Eux. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est séparer en deux aussi. Prendre ces 15 000 hommes là. Ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez là. Monde ici, ça devrait bien se passer. Ah oui, j'ai récupéré le royaume de. Alors j'ai récupéré le royaume de Valence. Duché du Berry. Bon, j'imagine qu'on va pas pouvoir lui retirer. Tant pis, on va le donner à lui. Alors, vice-royauté. De Valence. Voilà. Alors j'avais l'Aquitaine. Pourquoi je l'ai gardé l'Aquitaine? Je sais plus. Il n'y a pas de raison particulière. Duchesse de Toulouse, princesse d'Aquitaine. Et bah tiens. Voilà. Et ici. Ah, ça y est, on a tout récupéré finalement. Ah, bah, on a finalement tout récupéré. Bon, bah, impeccable. Ouais, donc là, on peut toujours pas usurper les titres. Le duc de Trèves. Oh, il a 0 ans, ça va aller. Et bah, le duc de Cologne. Voilà.
Alors, toi tu vas aller là. Les câbles. Je me demande si le roi aimerait savoir plus sur les avantages du travail acharné. On va partager notre savoir avec lui. Kaiser, entre notre fille et... Non. Hop. On va partir à l'assaut de l'Écosse pour vraiment vite siéger l'Écosse. Je dois avoir des nouveaux emplacements de généraux. Bon, déjà 52%, donc ça devrait aller assez vite. Hop. On va prendre lui, allez, on s'en fout. Clairement, on s'en tape. Petit pionnier ne donne pas grand chose. On sait qu'elle cache quelque chose. En tout cas, on insiste. On verra bien. À 60%, on est vraiment bien, bien en taux de victoire là. Si j'ai tout ça là, j'ai hérité du royaume. Ben, il est mort lui. Blessure infectée. Bon, bah ben, t'as pas fait long feu toi. On continue, on insiste, on sait jamais. Un an, ouais, c'est un peu jeune hein, quand même. Hein. Hop, royaume. Le duché de Brabant. Ouais, ok, donc lui il est duc de ça, mais ça a plus de valeur. Ah non, en fait, si. C'est plutôt. Ouais, c'est ça. C'est... Il est toujours duc de ça, mais c'est celui-là qui n'est plus valable. Mais je peux pas encore lui prendre. Bon, attention, il y en a deux que je peux pas prendre. Donc, Trèves, c'est un gamin. Haute Lorraine. Bah ben, voilà, c'est lui. Forcément lui, j'ai pas le choix. Non mais limite avec la Castille, c'est en train de suffire quoi. Et attendez, là on va débarquer en bateau ici. Laissez-moi vous dire que ça va aller très vite. 93%, ouais, non mais ça va aller très 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 vite. Allez, un assaut. Il est furieux. Grâce à mes fidèles espions, j'ai découvert que la reine de Suède tente actuellement de pouvoir ses villes hérésies. On peut de... Voilà, une occasion de l'arrêter, ça c'est bien ça. J'ai été frappé par une grande peste, la mort de l'évêque Gunther. Chaplain est mort, on va changer. Ça y est, je peux l'emprisonner. J'ai quasiment aucune chance de réussir, mais ça c'est pas très très grave. Ok, 100%. Donc on va gagner un peu de pré... On va gagner... Ouais, piété, prestige. Absolution pour lui. Et il abdique en faveur de sa fille. Le sort de la femme seigneur est ainsi réglé. Le voilà, c'est bon. J'ai un éminent membre du clergé catholique pour officier mon couronnement. Ce sera une cérémonie somptueuse. Alors, faut que je fasse gaffe hein, parce que niveau or, par contre, ça devient très compliqué. Stop. Depuis quelques jours, ma cour est déjà remplie de vassaux. Ce matin, un étrange visiteur est venu me voir. C'est un érudit. Cette option disponible quand votre habitude, hein. Je peux gagner 2 en érudition, il me rejoint. Ah ouais, c'est cool ça. Bon bah je prends. Hein. Organiser une cérémonie m'a donné l'occasion de... Je peux devenir ami avec le roi de Novgorod, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors on va tenter d'emprisonner la reine de Suède. Là, ici la bannière de la rébellion. Parfait, c'est ce que je voulais. On va aller vite l'écraser.
ces troupes là doivent sortir vite de ce territoire. On va prendre tout ce monde là. Les autres on va aller... Tandis que les cris des commandants qui attendent nos troupes résonnent sous la tente me donnent une bénédiction rapide et place sommairement. On a eu un couronnement somptueux. C'est vrai qu'on est en guerre, peut-être pour ça que j'ai déclenché la guerre avant la fin, donc ça me l'a fait sous une tente. L'arène ne fait plus partie du pays, ce qui signifie que mes efforts d'espionnage sont désormais inutiles, effectivement. Alors, par contre, faut l'emprisonner avant qu'elle meure, hein. C'est important ça. Ok, donc ça on range. Oui, pardon, je me trompais de bouton moi. Ici, pareil, dodo. Dodo. Là, c'est bon, c'est l'escorte. Là, c'est le bordel. Oh le bordel, allez, on va prendre 2000 hommes, on les enlève, est-ce que ça suffit? Oui. Allez, c'est parti, ça va te faire tout drôle toi. Cher empereur, un noble de second plan cite actuellement une certaine agitation dans notre Belgique de Gros. Oui, qualifie son comportement inacceptable serait un euphémisme, il serait bientôt sous la contrainte d'agir. Je vais vous montrer compréhensif et m'expliquer. Ouais, d'accord. Pardon, mes plus excellentes excuses, je réalise maintenant que nous avons été induits en erreur et j'espère que vous serez. Voilà, qui est tout... voilà que donc tout est réglé. J'ai cru que manquait toujours d'une salle d'alchimie convenable. On va essayer de construire un laboratoire. Ouais, avec de l'argent c'est mieux, mais. Je pense que ce que je vais faire, je vais calmer le duché d'Aragon. Oui, très bien. Je vais mettre en pause ça. Ça, c'est pas en pause. On a quoi comme titre qu'on peut décerner? J'ai plus de physicien, on va prendre lui, et en apprenti, on va prendre lui aussi. Voilà. Bon, alors là, on sépare en deux. On resépare en deux. 15 000 ici. 15 000 là-bas. 15 000 là. Et 15 000 ici. On range les bateaux, on range l'économie. Un petit assaut par là, histoire de... Hop là. On range les bateaux qui sont là. La nouvelle période de somptueuse festivité en courant mon commandement s'est prépendue dans tout le pays. Ok, je gagne encore du prestige. Puis on va aller attaquer là-bas. Donc moi là j'ai les troupes. On va prendre lui et lui. Et pan. Bonne bataille, ça va faire mal. Voilà, 39% déjà ça calme. On peut investir alors dans la cavalerie, oui. Et sinon ici, un peu ce qu'on veut. Donjon amélioré, cité et temple. On va faire cité et temple. Voilà. Par un autre nom. Monseigneur, me feriez-vous l'honneur de me donner un surnom? Ma fille. La festive, la colombe, la mule. Bah la colombe, allez. Pourquoi pas? Ça te fait plaisir. La paix, oui. C'est cela, oui. Ah non, oui c'est ça, oui. Juste, c'est ça. Mais oui, juste tu perds du prestige et moi je gagne, oui. On va t'écraser, ça va être rapide. La courtisane, je fais la coupe de votre vassal, bas de l'aile. Ce ne sont pas mes affaires. Affirmation de machin, accompagné du vice-roi Mogé enchaîné. C'est un adepte de Lucifer, le roi du Maghreb. Oh, c'est dommage, parce qu'il me détestait pas, lui. Il est plutôt bon, il crèvera de lui-même. Non, non, moi j'ai pas...
Bah, quoi qu'il en soit, de toute façon, on a forcément un truc négatif, c'est ça? Eh ben, on va le brûler, hein. Tiens, ça me fait penser qu'effectivement, le royaume du Maghreb, on n'a pas changé la loi. Ah, et ben... On va le garder, le titre, pour le moment, tiens. Effectivement. L'intendant... On va prendre lui. Commandant, on va prendre lui. Et donc, on va continuer ça. Gagner la confiance du roi d'Angleterre. Est-ce que c'est toujours valable ça? Oh non, 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 non. On peut lui demander quand même, mais c'est plus valable. Ok, toi tu viens là. Toi, hop. Ouais, ça va aller assez vite avec les assauts en fait. Hein, avec les différents assauts qui sont pas très chers. Après s'entraîner dans Catestum, l'armée perd tout sans discipline et commence à brûler, brûler, piller. Essayer de reprendre le contrôle de l'armée cette fois. Je m'apprécie déjà. Oui, temps de porter mon attention ailleurs, je confirme. Là, on va lui donner un coup de main quand même au cas où ça se passe mal. Ouais, je pense que ça va mal se finir. Sauf que là, maintenant, c'est pour eux que ça va mal se finir. Ok, donc là, pas de siège possible. Là, on peut faire un siège. Et voilà, 100%. Oh, c'est quoi ça? Qui c'est qui a pris un territoire là? J'espère que je peux le prendre ce territoire là. Visiblement, oui. Ok. Non, il y en a encore d'autres? Oh, mais où ça? Là? On n'a rien à faire pour le moment. C'est où que c'est occupé par l'autre là? J'arrive pas à comprendre ça. Ok. Je regarde tous les sièges là. Ah, il y a ça encore, d'accord. Ah, normalement c'est bon. Voilà. Révoquer un titre. On va révoquer le royaume de Suède. Mais je pense qu'on devrait pouvoir faire les deux. Voilà, parfait. Comment utiliser quelqu'un pour après l'arnaquer? Ah bah voilà. Alors de jure c'est ça. Ok, donc toi, on va t'enlever toi. Le prince Arnel et moi, pour mon tête, du même sens, nous avons toujours eu des prix, je ne pourrais jamais supporter mon fils, je pense qu'il est temps que je lui rappelle les raisons une fois de plus. Je me moquer de lui, ça le contrarie, très bien. Alors, ouais, donc, lui, on va lui enlever. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? Je disais donc, royaume de Suède, là c'est ça. Et il manque ça aussi, si je comprends bien. Ah, mais t'as tellement de trucs, toi. Ah ouais, mais toi, t'as trop de choses, en fait. Sauf que j'imagine que je peux rien lui retirer. Demandez que le duc capitule dans la guerre du roi de Finlande pour obtenir Ostrogi.
veut obtenir quoi? C'est quoi le Strogi? Je comprends pas trop ce qu'il veut récupérer. Pour moi, c'était un de ses duchés, mais. Ah, c'est juste pour un comté, quoi! Oh là là là, c'est compliqué. On va garder le titre du royaume de Suède pour le moment. On va ranger les effectifs. Voilà, déjà ça c'est bien. Ensuite, lui, on s'en fout un peu. Bah, de toute façon, toujours pareil. Hein. A constitué un trésor de guerre, oui, tiens, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux titres là, faut que j'en fasse attention parce que partage salique et tout. Il faut qu'on règne au moins 10 ans. J'espère que ça va être le cas. Non, non, je veux pas d'aide. On va laisser l'argent remonter. Puisse vos humeurs pourrir en vous, cette vieille ascendante est accélérée, je n'abandonnerai pas mon vassal sans combattre. Oh, mais tu fais exprès, non! Oh, mais ils m'emmerdent ces gens-là. Bon, révoquer le vexin, je pense que ça devrait le faire. Putain, mais il y a une révolte partout, quoi! Mais c'est quoi ce bordel? Oh là 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 là. Non mais j'ai que ça à foutre de continuer encore et encore quoi. Ah là là. Allez, c'est parti. Bon, passage, il y a le vexin. Il est mort d'anxiété morbide à 61 ans. Ah, merde! Du coup, on a perdu deux titres qui sont passés à notre frère, le royaume de Maghreb et le royaume de Suède. Alors, j'espère qu'on les a toujours dans notre juron, hein, par contre. Ouais, c'est bon. Oh, c'est dommage, je venais de les récupérer, les titres. Bon, enfin, c'est comme ça, hein. Vous avez un nouvel héritier. Si votre personnage meurt, vous incarnerez Wimund de Conteville. Ça, c'est parfait. Alors, donc Lancelin a rendu l'âme. Empereur Arnal lui succède. Ne craignant pas la colère divine, il épargnera probablement ses châtiments aucun sujet. Ok, donc on a 40 ans, on a des stats de merde. On n'est plus anxieux, c'est dommage, sinon j'aurais fait un petit suicide immédiat. Juste pour jouer lui. Elle, elle a 13 ans, très bien. Lui qu'on le brûle, je m'en fous. Alors par contre, c'est bon, on a toujours autant d'hommes. Alors j'en étais à quoi? Ah ouais, bah du coup le vexin c'est mort. Ok, toutes les guerres sont finies. Ouais, ok. Ok, donc ouais, c'est notre frère qui a tout ça, donc j'ai plus juridiction. Ouais, il est assez puissant du coup lui, hein. Je peux pas lui révoquer de titre, bien évidemment. Si je le tue... ouais, ok. Ça va, ça le puissant. On va peut-être... Alors, est-ce qu'on est en... Est-ce que je vois qu'il est à moins 100, on est rivaux ou pas? Il a une forte ambition, il veut un siège au conseil. Ce serait le neveu qui récupérerait tout le reste. Faire un intérêt de personnage avec lui, popularité je pense. C'est pas un militaire, encore qu'il a pas de mauvaises compétences. Le roi Emmerich de Navarre, ok, lui on pourrait l'emprisonner.
pour éventuellement lui retirer encore un ou deux un ou deux royaumes. On n'est pas couronné. Il manque pas mal de titres qu'on peut donner. Bon, on a quasiment pas de commandant. On va essayer de donner à quelques personnes qui nous aiment pas trop mal. Tiens, toi tu seras tutrice. Sénéchal. Toi. Grand veneur. Toi. Bon. Usurper énormément de titres. C'est quoi ce bordel? C'est des bugs ou quoi là? Ok, donc on peut plus usurper de titres, hein, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Une ambition. Rayonné par son prestige, on gagne combien en prestige? 34. Un trésor de guerre, on gagne 26. Pour un royaume, 1000 pour un empire. On va commencer par le trésor de guerre, si on y arrive. Le vexin, ok, ça va pouvoir aller assez vite. La langue d'un saint, aussi quand même, on va essayer de la garder. La duchesse de plantes que j'ai fermée se plaint de sa cellule. Devrait une faveur que les croupisses, on s'en fout clairement. Ok, donc voilà. Non, oui, c'est bon, j'ai fait la demande. Ok, donc lui il veut pas, c'est la guerre. Parfait. Allez. Votre fidèle vassal fait parvenir une missive avec une offre. Non, non, merci, je veux pas d'or. Après les funérailles de père, j'ai été approché par son ami qui voulait me parler. Ok. On va peut-être perdre la première bataille, j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Aller faire le siège. Oui, monde sans terre, ouais, bah, tant pis. Alors, lui, on pouvait l'emprisonner. Et avant, je vais regarder un petit peu. Ouais, donc là, il y a un qui est un petit peu gênant. Donc lui, ouais. Donc lui, on va toujours essayer de améliorer les relations avec lui. Ok, c'est bon. Il va avoir autorisé sur le dossier du duché de Somerset. Ah oui, bah c'est moi qui l'ai, j'en veux pas moi. Ah bah carrément, tiens. Transférer un vassal, le duché de duc de Somerset. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé tout ça. Ah bah voilà. La duchesse de Tolède, ok. Alors, ouais, donc. Lui, on va essayer de l'emprisonner, ça ne va pas marcher. On est déjà présent là. Présent ici. Les armées qui sont là, elles vont aller là.
Après 100 années sous l'Empire Normandie, le titre vice-royauté de Wilgal n'est plus considéré comme faisant partie de jure de l'Empire de Grande-Bretagne. D'accord. Officiellement, ça appartient à l'Empire de Normandie. Ok, cool. Allez, on va aller faire le siège d'ici. Des nouvelles de la Chine. Des rumeurs sur la puissance militaire de l'Empire Xinjiang se révèlent un outil diplomatique efficace. En effet, après ce qui semble être une brève négociation, le Kagan a accepté de devenir pacifiquement un tributaire de l'Empire du Milieu. On obtient obèse. Bon, bah, on va peut-être mourir assez vite, hein. Ou pas. On verra bien. Je bois et je mange. Hop, le chapelain, on va prendre lui. Bonjour les pasissades. Non, 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 non. C'est bon. On se marie avec ma fille. Non. Des assauts, voilà. Hop, hop. On lui a révoqué le comté du Vexin. On n'en parle plus. Moi, je suis trop mauvais. Hein. Marqué, on n'a pas grand monde qui est bien. Hein. On perd de l'argent toujours avec le nombre de troupes qu'on a dehors. Ouais, ouais, bah. C'est un peu triste. Hein. On a besoin d'un régime. On devient anxieux. Alors, est-ce que quand on est anxieux, il faut être dépressif pour se suicider, hein, c'est ça? Mais ça en a plus de chances de mourir. Ça me va. Non, pas d'offre. Quoi que remarquez, j'aurais pu le faire presque, mais bon. Des assauts en boucle pour gagner du temps, parce que le temps c'est aussi de l'argent. J'ai hérité du royaume d'Irlande, très bien. Je verrai tout ça plus tard. On va lui donner un coup de main à la bataille là-haut, au cas où. Oh, et puis on sait jamais, même si on crève, on s'en fout. Les troupes se battent actuellement et je bombe le torse par fierté. Affronter un commandant en duel, ouais, le meilleur moyen de crever ça. On va le faire, tiens. Manie son épée médiocre avec une pression croissante et commence à penser que je vais mourir ici dans les plaines. Alors après, je voudrais quand même pas que ça se finisse mal, ça. Oh si, allez, on va mourir. Voilà. Ah là, c'est la fin de partie, ça va vite. Hein. Voilà, comme ça, on va vite gérer notre personnage. Et s'occuper le plus vite possible du reste. Si, si, c'était un peu le but aussi, hein. Il est pas dégueulasse, lui on va le mettre à la guerre plutôt. À Caen. On va choisir l'ambition.
préparer la succession. C'est pour bientôt. On a une menace à 88%, on a tout qui est en pause, on n'est pas couronné. Ouais, on va essayer de finir sur toutes les guerres qui sont en cours là, cette guerre là. Pour les forcer à devenir meilleur. On devient fortement ambitieux. Ah ça c'est trop bien ça. On a un personnage qui est fortement ambitieux, c'est bien cool. Ok, on est à 100%. Il se rend, voilà. Maintenant on va lui révoquer ses titres. Navarre. Et c'est tout. Ok, bah déjà moins 1. Par contre, j'aurais peut-être dû faire l'autre, non? Alors, le royaume de Navarre, voyons voir. C'est quoi? Primogéniture, primogéniture, ok. Alors, le royaume d'Irlande. Tiens. Ensuite... le royaume de Navarre. Alors, te jure, c'est ça. Et là, c'est ça. On va le torturer. Mais bon, je l'ai quand même libéré. Je sais pas si c'était une bonne idée au final, mais... on va essayer de l'assassiner. Ouais, pas sûr qu'on y arrive. Hein. Alors, on va ranger les armées, hein, surtout. Voilà. Demander le partage salique. Il a peut-être refusé, ce sera l'occasion de lui redéclencher une guerre. Eh ben recommence hein. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Hein. Allez, on est reparti une deuxième fois. C'est l'occasion hein, franchement faut y aller. Pas plus plaisir que ça, mais bon, il est assez faible, on devrait pouvoir le faire tomber assez rapidement. Ok, on peut récupérer le duché de Brabant. Donc Brabant de Jure, c'est ça. Et ben, concéder l'accord d'un petit foncier, le duché de Brabant. Hop, voilà. Te voilà duc. Parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre en titre? Moi, le royaume de Navarre. Ah ben, on verra ça après. Allez, quand j'aurai tout récupéré... on fera un truc propre. Tu dirais qu'il serait bénéfique pour les gens que j'utilise les langues parlées dans les cours étrangères. Ok, on va le faire. On gagne 1 en érudition, pourquoi pas. Une révolte de paysans. 2 révoltes, même. Alors, j'ai pas vu où elles se trouvaient, les révoltes. Ok, donc il y en a une qui est là-bas. On va plutôt faire ça. Et eux là. Quant à l'autre, elle se situe visiblement en Angleterre. On va y aller comme ça. Je suis tenté de faire comprendre hein, comme votre bienveillance. Alors attendez, parce que là, il faut que je regarde un petit peu qui c'est qui me déteste. Okay, donc on a toujours le roi d'Angleterre. Ça allait mieux, mais ça recommence à décroître. C'est bon. On fait ça, et voilà. De retour après un petit plantage du jeu, ça faisait bien longtemps. Donc on reprend notre petite bataille où on essaye de faire ce qu'il faut. Non non mais je refuse tout tout.
Alors, du coup, j'ai les sons du jeu qui bug, c'est génial. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Oh, mais j'avais pas vu que là ils étaient en train de me battre. On va aller régler ça tout de suite. Vite, 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 vite. Ok, on a quand même perdu. Mais on va se venger. Les troupes qui se trouvent ici, on va ranger les troupes qui se trouvent là, les troupes qui se trouvent ici, les troupes qui se trouvent là, les troupes qui se trouvent ici. Voilà. Lors de mes recherches sur l'art de la guerre, j'ai réalisé que tactique additionnée. Hop, on peut devenir un commandant. Bon, on va prendre commandant motivant parce que c'est bien ça. Moi j'aime bien. Encore une révolte. Une fois n'est pas coutume. Refuser. Du Walter de Blois, on s'en fout. Non, on va pas prendre le risque de devenir anxieux. Tant pis. J'ai pas très envie. Ah ben, on en chie hein, sur cette bataille. Hein. Celui-ci. Envoyer la moitié de l'armée en soutien au cas où. Pour moi, je refuse tout. Pour le moment, je suis pas du tout dans l'administration. Là, je veux gérer ça. Ah, oh yes, elle accepte. Fantastique tout ça. Ils se sont mariés, on peut lever un impôt. Ouais, on va le faire. Allez, faut vraiment terminer cette bataille maintenant, cette guerre, pardon. Partout, je peux faire des assauts, je vais les déclencher. C'est-à-dire pas grand, pas beaucoup d'endroits. C'est terminé. Ok, 100%. On lui révoque le royaume de Galice. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ça, ça, ça. On lui révoque le duché de Castille. Et voilà, c'est fait. Bon. Donc c'est de la primogéniture, primogéniture, primogéniture. Parfait. Eh ben, une bonne chose faite. Alors, voyons voir. Le duché de Castille. C'est ça, et de jure, c'est ça. Parfait. Eh ben toi, tu deviens duc de Castille.
Et dans la foulée, roi de vice-roi de Castille. Bon, t'as dit ça de merde, j'ai pas regardé, mais bon. Voilà. Ensuite, la Galice. De jure, c'est ça, et là, c'est ça. Ok. Et donc, ça, c'est le duché de Navarre. De jure, c'est le royaume de Navarre. Ok, je l'ai aussi, ça. Eh ben, on va donner déjà ça. Lui, il est à la fois duc de Galice et duc de Navarre. Ah oui, d'accord. Demander le partage salique, au cas où, on va voir. Il n'aime pas cette idée, mais il peut rien refuser. Ok, donc ça c'est bon. Ça sera partagé entre ses enfants. Eh ben, toi, hop, accorde un titre foncier. Non, une vice-royauté. Tu as donc le roi. Voilà. Oui, il récupère pas le duché pour le moment. Mais bon, c'est pas grave. Et donc ça. Et bah lui, je peux pas lui donner. Et l'autre, il possède tout, non? Non, lui, il est comte. Tiens, on va lui donner le royaume de Galice. Voilà, bon, ils vont se débrouiller comme ça. Donc moi j'ai quoi? Normandie, France, mon duché, Messi-Comté, mon empire. Bon déjà ça c'est pas mal. On est bien. Maintenant qu'est-ce qu'il y a qui nous aime pas? Opinion féodale pour l'attribution de vice-royauté. Moins 30. N'aime pas la nouvelle loi d'obligation. Cour règne, blablabla, sans couronne. Ouais c'est vrai qu'on n'a pas de couronne. Ok, il faudra qu'on voit ça. Non mais lui je m'en fous, on arrête le complot. Les titres. Physicien, toi, ça sera bien. Toi, tu vas devenir échanson. Et on va nommer des commandants. Toi, 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 et toi. Impeccable. Bon, ça commence à être pas mal tout ce bordel là. Je dois avoir un sacré pacte contre moi, hein. Clairement, des guerres, je pourrais plus en déclencher. Ok, donc eux. On va aller leur tomber dessus. Cette cour abrite un infidèle. On le bannit. Allez, on va faire un peu travailler l'escorte. J'ai hérité du royaume de Castille. Déjà? Déjà, déjà. Bon bah toi tu seras vice-roi à 0 ans, hein, voilà. C'est débile mais bon. Voilà. Je veux rien que pour pas le donner à l'autre. Oh! Attendez, je perds pas une seule troupe. J'ai une grande idée de monument à construire. Qu'il en soit ainsi, surprenez-moi. C'est pas possible. Ah si, j'ai perdu 256 hommes. Ok, on va lui envoyer plus de troupes. J'ai hérité du royaume de Galice. C'est allé vite, hein, putain. Ah bah voilà, il est mort, parfait. Ah bah non, c'est pas ça qu'il me fallait. Bon bah toi maintenant. Voilà. Qui peut se marier? Ma sœur. Et lui. Allez, oui, si tu veux. Possédé. Alors, est-ce qu'on peut demander son excommunication? Non. Ouais, il a 45, 61 en combat personnel.
Alors, ce qui va être surtout important. J'aurais bien aimé prendre l'intrigue pour essayer d'assassiner mon frère. Mais finalement, ça sert à rien. On va plutôt faire l'intérêt de famille. Non, pas avant 1430. Il me semblait bien que je pouvais pas. Je vais lui demander. Donc, notre femme. On va lui envoyer. Ah, ouais, ça coûte cher quand même de lui envoyer de l'or pour ça. Proposer une vassalisation. Elle ne veut pas. Acheter une faveur. Non, forger une alliance. Elle ne veut pas. Ok, bon, on verra bien. Il était content de me voir. Ok, donc on s'entretient en privé. Ok, donc on peut pas lui révoquer le titre, clairement. Ok, on peut pas non plus faire ça. On peut pas le congédier. Le tuer, on pourrait. Mais bon, mon cousin qui va récupérer, est-ce que c'est beaucoup mieux? C'est de l'intimider. Pas demander de partage salique. Ah, je regardais, hein. Bon, pour le moment, on peut pas en faire grand-chose, mais... Ok, donc on est honoré de sa visite. Et il nous doit une faveur. Ah bon? Royaume de Badajoz. C'est pour toi, mon coco. Non. On peut faire quoi? Emprisonner lui, mais j'en ai rien à foutre. Et lui. Mais je m'en fous un peu aussi. Ça va, on n'a pas trop de trucs contre nous. Maintenant, on va arrêter. Je vais essayer de faire comprendre à l'évêque. Mais ouais, ok, très bien. Non, non, on va pas l'emprisonner. Donc, toi, t'es où? Royaume de Bourgogne. Ok. Donc, on va tenter de l'influencer. Bon, il a le cancer, hein, cela dit. Mais bon. Voilà. Et le chapelain va me faire des recherches culturelles. Si ça te fait plaisir. L'autre jour, je reviens, j'ai surpris le prince de Bretagne et ma courtisane en flagrant délit. Pff, je m'en fiche. Hop, un nouveau commandant. Ok. Non, par contre, je voudrais bien mettre ma femme plutôt, si c'est possible. En régente désignée. Évoqué titre honorifique. Voilà. Je peux pas lui donner elle. Carte de revendication de jure entre Bourgogne et Vaud pour obtenir Transjuréanie. Très bien. Le prince Émeric inquisiteur que j'ai fait enfermer se plaint de sa cellule. Hop, aux oubliettes. Ah, organiser une cérémonie de couronnement. Seul le pape est apte à me couronner. Ah, il faudrait qu'on reprenne la grande université, elle était quasiment terminée. Ok, je lui paye 450. Je lui paye 722, on va emprunter un petit peu d'argent. Non, ça va revenir très vite. Hop, et on va être couronné empereur. Bienvenue. Ma cousine. Hop. La moindre chance que je puisse les divertir en attendant le jour de mon couronnement. Malgré tout que j'ai pu avoir concernant ma prestation, mon discours sur les devoirs d'un bon empereur est bon.
opinions des invités, changer de plus 10 pour votre discours. Ça, c'est bien ça. La mission, je ne vois lors de ma vision. Ok. On a amélioré les rapports avec lui. Je m'agenouille devant le pape. J'ai eu un couronnement somptueux. Ben voilà. Bon, et ben je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a 160 000 troupes possibles. Alors que le Saint-Empire, lui, 86 000. Waouh. Je suis en faillite. Non, je veux juste voir. Ok, c'est bon, on n'est plus en faillite. Ah oui, l'invasion, c'est une fois par vie de personnage. Oh, ça veut dire que si je voulais, là... Ouais, bon, par contre... Voilà, s'il n'y avait pas eu la menace, j'aurais pu, mais clairement, je pense que de la partie, on ne pourra pas déclencher de guerre comme ça. Maintenant, ouais, il va falloir voir. Va falloir voir tout ça. Bon, je vais vous laisser là, j'ai assez, assez fait durer le tout. Et puis, bah, je vous dis après-demain pour la suite. Et je me dis que là, vraiment, d'ici deux épisodes un petit peu longs, je pense que ça devrait se finir. Je sais même pas si on aura l'occasion de voir... Si on a un enfant, il faut que je trouve un moyen de mourir pour que tout ce qui est bleu devienne violet. Et voilà, là je pense qu'on aura fait ce qu'on aura pu, ce sera déjà un truc de malade. Hein. Franchement. Allez, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et je vous dis à après-demain. Bye bye!